trouvera le sourire. Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De tout péché. Ah oui, de tout péché. Nous sommes justifiés. Les condamnations sont annulées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, nous sommes réellement libres. Ah. Oh, ya, ya, ya. Au nom de Jésus. Bien-aimé, réjouis-toi car tu es libre en Christ. Réjouis-toi car tu as été sauvé, racheté. Alléluia, alléluia. Qu'un racheté dise, je suis libre, délivré, restauré, changé, aimé. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous avez un bon son? Tout va bien? Faites-moi signe. Gloire à Dieu. Voilà. Dites-moi si vous m'entendez. Merci Seigneur. Voilà, dites-moi si vous m'entendez bien. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session de ce soir. Par la grâce de Dieu, nous nous concentrons dans la prière. Nous nous préparons déjà à rentrer dans la prière sérieusement. Et le Seigneur va encore nous faire du bien cette nuit parce qu'il est fidèle. Alors je prie le Seigneur pour commencer ces moments. Éternel mon Dieu, nous te bénissons encore. Merci Père d'avoir été notre Dieu depuis le matin jusqu'à maintenant. Merci Seigneur pour ta fidélité qui s'est manifestée encore dans la vie de chaque personne. Merci pour le privilège que tu nous accordes de nous retrouver encore dans ta présence cette nuit. Seigneur, je te prie, ô Dieu, de prendre le contrôle de ce moment de prière par le Saint-Esprit et que tout soit pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Marjorie. Que le Seigneur te bénisse pour ton offrande. Et que Dieu se souvienne de toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Des fois, il y a des personnes qui se posent la question, pourquoi je dis toujours gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, vaut mieux pour moi dire gloire à Dieu tout le temps que d'avoir des sottises dans la bouche, que de dire des bêtises, que de dire des choses qui emmènent au péché. Alors, vaut mieux dire gloire à Dieu. Amen. Parce que lorsque tu dis gloire à Dieu, cette gloire se manifeste aussi dans ta vie. Lorsque tu dis gloire à Dieu, tu invites la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque tu dis gloire à Dieu, tu es en train d'inviter le ciel à marcher avec toi. Amen, amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni et nous bénissons son nom pour sa présence encore en ce moment. Alors, notre sous-thème de cette session de la guerre de minuit est que tout tourne à mon avantage. Que tout tourne à mon avantage. Est-ce que tu peux l'écrire? Que tout tourne à mon avantage. Bien-aimé, Dieu est capable de changer les cours
le cours de l'histoire dans ta vie. Dieu est capable de réécrire ton histoire. Dieu est capable de tout faire tourner à ton avantage. Il est capable de changer les choses à ton avantage. Il est capable de retourner les choses à ton avantage. Il est capable de changer l'histoire pour que l'histoire soit à ton avantage. Il est capable de te donner l'avantage sur tes ennemis. Il est capable de te donner la supériorité sur tes adversaires. Il est capable de te donner la victoire, bien-aimé, la victoire là où il y a des combats. Il peut tout tourner. Et notre session, notre prière de ce soir est que Dieu tourne toutes choses à ton avantage. Que tout tourne à mon avantage au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'écrire? Que tout tourne à mon avantage dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu es en train d'écrire cela, que Dieu puisse tout concourir à ton bien. Que Dieu puisse tout tourner à ton avantage. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, que tout tourne à mon avantage dans le nom puissant de Jésus. Et notre Dieu qui est fidèle, c'est lui qui le fait dans ta vie. Notre Dieu qui est fidèle, c'est lui qui le fait dans ta maison. Notre Dieu qui est fidèle, c'est lui qui le fait. Il tourne toutes choses à ton avantage dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Que tout tourne à ton avantage. C'est pour cela, bien-aimé, ne donne pas ton oreille à ce que tu peux entendre de toi. Ne te fie pas à ce que les gens peuvent dire de toi, car Dieu va tout faire tourner à ton avantage au nom puissant de Jésus. Alors nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe 8 au verset 10. Ésaïe chapitre 8 au verset 10. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Ésaïe 8 au verset 10. Gloire à Dieu. La Bible déclare « Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. » Or, formez des projets et ils seront anéantis. Vous voyez, on peut former des projets contre toi. Il y a une chose que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler le fait qu'on formera des projets contre toi. Ça, tu ne peux pas le contrôler. Les gens peuvent former des projets contre toi. Les gens pourront se liguer contre toi. Les gens pourront faire des choses contre toi. Ils pourront monter des plans contre toi. Mais la Bible est en train de dire, dans Ésaïe 8 au verset 10, « Formez des projets et ils seront anéantis. » En d'autres termes, Dieu va tout tourner à ton avantage. En d'autres termes, lorsqu'on va faire des plans contre toi, Dieu tournera tout à ton avantage. Oh, formez des projets et ils seront anéantis. Il dit encore, donnez des ordres. Les ordres pourront être donnés contre toi. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Ça veut dire que lorsqu'on va prendre une arme et qu'on va la confectionner contre toi, elle sera sans effet. Lorsqu'on va lancer une parole mauvaise, une parole qui a pour but de détruire ta vie, elle sera sans effet. Lorsqu'on va envoyer des esprits contre toi, ils seront sans effet. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Il dit « parce que Dieu est avec nous ». Car Dieu est avec nous. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un cette nuit, que Dieu change toutes choses à ton avantage. Alléluia. Dieu tourne tout à ton avantage. Dieu tourne tout à ton avantage dans le nom puissant de Jésus. Dieu tourne tout à ton avantage au nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de changer une situation négative en situation positive. Là où la situation est négative, parce que Dieu tourne la chose à ton avantage, alors il va changer cela en positif. Alléluia. Toute situation qui est négative dans ta vie se change en situation positive au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu tourne tout à ton avantage. Alléluia.
à ton avantage. Lorsque nous prenons la croix de Jésus, Jésus était mort à la croix et le diable pensait que c'était, il avait gagné. Le diable pensait que c'était la victoire pour lui. Le diable pensait que c'était l'humiliation pour le Seigneur Jésus. Or, la mort du Seigneur, c'était la défaite du diable. Alléluia. La croix de Jésus était la défaite du diable. Or, l'humiliation apparente de Jésus, c'était là où le diable avait été vaincu, à la croix de Golgotha. C'est pour cela que je dis, cette situation qui accable ta vie, cette situation qui est en train de durer dans ta vie, va tourner à ton avantage au nom de Jésus. La croix de Jésus a été un avantage pour nous. La mort de Jésus a été un avantage pour nous. La mort de Jésus a humilié Satan. Alléluia. La condition humiliante, soi-disant, de Jésus a humilié Satan encore pire, encore pire, encore pire. La situation que tu vis va tourner à ton avantage dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsqu'on prend aussi la vie de Joseph, Joseph avait été vendu en Égypte. Joseph avait été vendu, il a été emmené esclave en Égypte, mais la situation a tourné à son avantage. Parce qu'il avait été envoyé en Égypte, Joseph est devenu un grand. Joseph est devenu le second de Pharaon. À un moment donné, même Joseph a dit, Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Joseph était devenu le père de Pharaon, mais cela est venu par quoi? Par l'humiliation. Tout avait tourné à son avantage. Que tout tourne à ton avantage au nom de Jésus. Que tout tourne à ton avantage au nom de Jésus. Que tout tourne à ton avantage au nom puissant de Jésus. L'Égypte était devenue l'avantage de Joseph. Que cette situation que tu vis tourne à ton avantage au nom de Jésus. Alléluia. Que cette montagne qui se dresse devant toi tourne à ton avantage au nom de Jésus. Que ce blocage qui paraît être devant toi tourne à ton avantage au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans le mois du renouvellement. Que tout tourne à ton avantage dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que tout tourne à ton avantage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, même lorsqu'on prend David, David, son père l'envoie pour lui dire, va donner la nourriture à tes frères et va voir si tes frères vont bien. Le fait que David a apporté la nourriture, le fait qu'il était mis de côté, qu'il n'était pas qu'il n'était même pas calculé. Ses frères ne faisaient pas cas de lui parce qu'il était né d'une relation adultère. David n'était pas considéré par ses frères. Mais le fait qu'il est parti leur apporter la nourriture, le fait qu'il était le serviteur de leurs frères, de ses frères, le fait qu'il était comme un petit garçon de course pour ses frères, quand il est parti à la bataille, quand il est parti au front, cela a tourné à son avantage. Et c'est là où il a tué Goliath. Et c'est là où les choses ont commencé pour lui. Et c'est là où la gloire a commencé pour lui. Je dis que Dieu tourne cette situation à ton avantage au nom puissant de Jésus. Que cette situation tourne à ton avantage. Que les portes qui paraissent fermées tournent à ton avantage dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, que tout tourne à mon avantage au nom de Jésus. Que tout tourne à mon avantage au nom de Jésus. Seigneur, que tout tourne à mon avantage. Oh, Bartimée était au bord du chemin. Ceux qui étaient au bord du chemin ramassaient même la poussière. Ceux qui étaient au bord du chemin étaient des mendiants. Ceux qui étaient au bord du chemin étaient humiliés. Mais le fait qu'il était positionné là, Jésus aussi passait par là. Cela a tourné à son avantage. Alléluia. Cela a tourné à son avantage. Le fait d'être au bord du chemin, ça a tourné à son avantage parce que c'est en passant par ce chemin que Jésus a entendu la voix de Bartimée. Que les choses tournent à ton avantage dans le nom puissant de Jésus. Oh, qui croit que Dieu peut tourner les choses à son avantage? Mets-moi le chiffre 5. Si tu crois que Dieu peut tourner les choses à ton avantage, mets le chiffre 5 qui est le chiffre de la grâce. Tente de dire 5. Je crois que Dieu peut tourner. Dieu va tourner cette situation à mon avantage. Dieu va tourner les choses à mon avantage. Dieu va tourner les situations à mon avantage. Dieu va tourner, oh, cette maladie en guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, crois que la maladie ne restera pas maladie, mais la maladie va se changer en guérison. La maladie deviendra guérison au nom puissant de Jésus. Car la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'humiliation ne restera pas humiliation, mais l'humiliation va se changer en élévation. Parce que tout tourne à ton avantage, au nom puissant de Jésus. Les déceptions ne vont pas rester déceptions, mais la déception va se tourner en élévation. La déception va se tourner en gloire, au nom puissant de Jésus.
car tout tourne à ton avantage au nom puissant de Jésus. Je dis à quelqu'un, les difficultés que tu es en train de vivre vont se tourner à ton avantage dans le nom puissant de Jésus. Les difficultés que tu vis dans ta maison, les difficultés que tu vis dans ta famille, les difficultés que tu es en train de vivre en ce moment vont se tourner à ton avantage, car l'Éternel est avec toi. Oh, l'Éternel est avec toi. Même les flèches qu'on lance contre toi vont se tourner à ton avantage parce que ça va se retourner à l'expéditeur. Ça va se retourner contre l'expéditeur. Les flèches qu'on a lancées contre toi se retourneront contre l'expéditeur. Ça sera à ton avantage. Au nom de Jésus, la fosse qu'on a creusée contre toi pour que tu puisses tomber dedans, pour que tu puisses entrer dedans, va se tourner à ton avantage, car cette fosse va encore engloutir ceux qui l'ont creusée. Cette fosse va engloutir les personnes qui l'ont préparé contre toi. Ça va se tourner à ton avantage. Le bois qu'on avait préparé contre Mardoché pour faire pendre Mardoché, bien aimé, lorsque Haman a préparé ce poteau pour pendre Mardoché, c'est sur ce même poteau que Haman avait préparé que lui-même avait été pendu. Ça a tourné à l'avantage de Mardoché. Que les choses tournent à ton avantage au nom de Jésus. Le Dieu que nous prions est celui qui est capable de changer les choses à ton avantage. Oh, et la foi. Le Dieu que tu pries va changer cette situation à ton avantage au nom puissant de Jésus. Le Dieu que tu pries va changer ce problème à ton avantage au nom de Jésus. Le Dieu que tu pries va te faire vivre des avantages en ce mois d'août au nom puissant de Jésus. Le Dieu que tu sers va te faire vivre, oh, vivre des gloires, vivre des miracles, vivre des victoires, vivre des élévations en ce mois d'août à ton avantage dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, l'avantage est pour toi, l'avantage est pour toi, l'avantage est pour toi, l'avantage est pour ta maison, l'avantage est pour tes enfants, l'avantage est pour ta famille, l'avantage. Tout va tourner à ton avantage dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, pendant que je suis en train de déclarer, je vois l'ange de l'Éternel qui est en train de tourner les choses à ton avantage. Pendant que je déclare, je vois le ciel qui est en train de s'ouvrir, qui tourne les choses à ton avantage. Pendant que je déclare, je suis en train de voir les anges de Dieu qui préparent le chemin pour toi, pour ton avantage. Dans le nom puissant de Jésus, je suis en train de voir les situations travailler pour toi, travailler pour ton bien. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela travaille à ton avantage. Même le bâton que Moïse avait à la main, ce bâton s'est changé en serpent pour travailler à son avantage, pour tourner à son avantage. Le bâton qu'il tenait à la main, ce bâton a ouvert la mer rouge pour que cela tourne à son avantage. La mer rouge qui était fermée, la mer rouge qui devait engloutir les enfants d'Israël, s'est ouverte en deux. Elle s'est tournée à leur avantage. Toi aussi, la situation que tu vis va se tourner à ton avantage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les témoignages viendront dans ta vie car ils vont se tourner à ton avantage dans le nom puissant de Jésus. Et que le Dieu que nous servons, que le Dieu que je sers, que le Dieu des esprits des prophètes fasse tourner toute situation dans ta vie à ton avantage dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, alléluia. Merci Jésus, merci mon Père. Merci mon roi, alléluia, merci Seigneur. Oh bien-aimé, tu vas prier le Seigneur, dis merci à Dieu, dis tendre Père, je te bénis encore cette nuit. Merci car tu es celui qui tourne tout à mon avantage, au nom de Jésus. Merci Père car tu es celui qui tourne toutes choses à mon avantage. Merci car tu es celui qui tourne toute situation à mon avantage, au nom puissant de Jésus. Tu es en train de dire merci à Dieu, tu es en train de reconnaître qu'il est celui qui tourne toutes choses à ton avantage dans le nom de Jésus-Christ. Tu es en train de reconnaître qu'il est celui qui change les situations à ton avantage au nom puissant de Jésus. Tu es en train de reconnaître qu'il est celui qui change, bien-aimé, qui change ce problème à ton avantage. Il est celui qui fait concourir toutes choses à ton bien dans le nom puissant de Jésus. Oui, mon Père, je te bénis. Oui, mon Père, je te loue. Oui, mon Père, je t'exalte parce que tu es celui qui change les choses à mon avantage. Tu es celui qui change les situations à mon avantage. Tu es celui qui change les circonstances à mon avantage dans le nom puissant de Jésus. C'est pour cela que je te célèbre, c'est pour cela que je te loue, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu ne trahis pas tes enfants. Béni soit ton nom Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, 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 au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur
parce que tu es bon. Merci Seigneur, parce que tu es merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, alors que nous sommes dans sa présence, tu vas encore prier le Seigneur. Nous voulons demander pardon pour tous les péchés commis en cette journée, tous les péchés conscients et inconscients, connus et inconnus. Tu vas t'humilier encore devant Dieu. Tu vas demander pardon avec un cœur sincère afin que ta prière puisse monter devant le trône de sa grâce et que tu sois exaucé cette nuit au nom puissant de Jésus. Prie avec moi. Tu es en train de demander pardon au Seigneur. Oh, alors que nous nous approchons de lui, nous devons nous approcher de sa présence avec sainteté. Nous devons nous approcher de sa présence avec un cœur pur. Nous devons nous approcher de sa présence avec un cœur purifié de tout péché. Tu es en train de prier devant Dieu. Demande pardon. Approche-toi de sa présence avec assurance afin que tu puisses obtenir miséricorde, que tu puisses trouver grâce à ses yeux. Tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père de gloire, je viens encore devant ta présence te demander pardon, Seigneur. Ô Dieu, pardonne mes péchés, tous les péchés que j'ai commis en cette journée, depuis le matin jusqu'à maintenant. Seigneur, j'ai péché contre toi, au travers de mon regard, au travers de mes pensées, au travers de mes paroles, au travers, Seigneur, de mes oreilles. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu. Pardonne-moi tout le bien que je devais faire, mais que je n'ai pas fait en ce jour. Pardonne-moi, Seigneur, le mal que je devais rejeter, mais que j'ai quand même fait. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire, toutes les bonnes paroles que je devais dire pour soutenir une personne, mais que je n'ai pas dites. Pardonne-moi toutes les mauvaises paroles que je ne devais pas dire, mais que j'ai dites, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés et accorde-moi ta grâce. Alors que, Seigneur, je m'approche du trône de ta grâce, Seigneur, cette nuit, je te demande pardon. Pardonne mes péchés, pardonne les péchés de ma maison, pardonne les péchés de mes enfants et accorde-moi ta grâce et que ma prière soit exaucée cette nuit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es juste et fidèle pour me pardonner mes péchés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Oh, la Bible déclare, le Seigneur dit, « Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Toute semence, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. » Nous voulons invoquer le sang de Jésus. Tu vas dire, « Seigneur, alors que je me tiens dans ta présence cette nuit, que ton sang, Seigneur, me purifie de la tête à la plante de mes pieds. Que tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, tout ce que tu n'as pas planté dans ma maison, tout ce que tu n'as pas planté dans la vie de mes enfants soit déraciné, soit ôté au nom puissant de Jésus. » Tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus, tu es en train d'invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie cette nuit. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te nettoie. Dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus enlève toute semence qui n'est pas de Dieu. Que le sang de Jésus enlève toute semence qui a été plantée en toi et qui ne vient pas du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, que toute plante que le Père n'a pas plantée, que cela soit déraciné dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, que cela soit déraciné par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu es en train de dire, Seigneur, purifie-moi. Cette nuit, je viens prendre la douche du sang de Jésus. Je viens prendre un bain de purification. Oh, par le sang de Jésus, je prends un bain de purification. Mes enfants prennent un bain de purification. Ma famille prend un bain de purification du sang de Jésus, de la tête à la plante de leurs pieds, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, Seigneur, j'invoque ton sang, le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Que ton sang parle en ma faveur, que ton sang crie en ma faveur, que ton sang gronde en ma faveur, que ton sang défende ma cause. Purifie ma vie de la tête à la plante de mes pieds et que tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, Seigneur, que cela soit déraciné dans le nom puissant de Jésus. Que toute plante que tu n'as pas plantée dans ma maison, que toute plante que tu n'as pas plantée dans ma vie, que toute plante que tu n'as pas plantée dans mon esprit, que toute semence que tu n'as pas plantée en moi, que cela soit déraciné cette nuit au nom puissant de Jésus. Que cela soit déraciné, que cela soit extirpé, que cela soit anéanti, que cela soit détruit, que cela soit taillé en pièces par la puissance de ton sang précieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un en train de prier, tu es en train d'invoquer le sang de Jésus. Tu es en train d'invoquer le sang de Jésus dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Oh, tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir encore de sa présence. Vous savez, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons vraiment rien faire. Nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pour cela que dans Zacharie, il est écrit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par le Saint-Esprit. Tu vas dire encore, Saint-Esprit, je t'en prie cette nuit, remplis-moi de nouveau. Remplis-moi dans une nouvelle dimension. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ta sainteté. Remplis-moi de ton intelligence, remplis-moi de ta sagesse. Tu vas demander au Saint-Esprit ce que tu veux qu'il puisse faire pour toi. Dis au Saint-Esprit de te remplir. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, tu es en train de demander le Saint-Esprit. Tu es en train de demander le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, cette nuit, oh, je soupire encore après toi. Je cherche encore ta présence. Je cherche encore ta présence. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ta force. Saint-Esprit de Dieu, alors que je suis dans le mois du renouvellement, là où j'ai perdu la force, commence à me renouveler. Commence à me remplir de ta force. Commence à me remplir de ta vitalité. Là où j'ai perdu la force, là où je suis en train de m'affaiblir, remplis-moi de ta vitalité. Commence à vivifier mon âme. Commence à vivifier mon esprit. Commence à vivifier mon corps. Dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, je soupire après toi. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu peux manquer l'argent, mais ne manque pas le Saint-Esprit. Tu peux manquer le mariage, mais ne manque pas le Saint-Esprit. Tu peux manquer le travail, mais ne manque pas le Saint-Esprit. Tu peux manquer les choses de la terre, c'est pas grave, mais ne manque jamais le Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Je désire ta présence. Même si tu n'as pas des amis, c'est pas grave. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est ton avantage. Le Saint-Esprit est ton avantage. Le Saint-Esprit est ton avantage. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en toi. Le Saint-Esprit est la présence du ciel en toi. Le Saint-Esprit est la banque de Dieu en toi. Le Saint-Esprit est l'hôpital de Dieu en toi. Le Saint-Esprit est le tout de Dieu en toi. Tu es en train de dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Je désire ta présence. Remplis tous les domaines de ma vie. Remplis, sature-moi, Saint-Esprit. Gouverne ma vie, sature-moi de ta présence. Je te cherche de tout mon cœur. Oh, je ne peux vivre sans toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de vie, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de sainteté, esprit de victoire. Saint-Esprit de Dieu, commence à me remplir dans le nom de Jésus. L'esprit de la crainte de l'Éternel. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu vas commencer à craindre l'Éternel. Tu vas commencer à marcher dans la crainte de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse te remplir. Que le Saint-Esprit puisse te remplir. Que le Saint-Esprit prends le contrôle de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu de faire de moi ton temple. Merci Saint-Esprit de Dieu de faire de moi ta demeure. Merci Saint-Esprit de Dieu de faire de chacun un temple mobile de la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu de faire de chacun la lumière du monde et le sel de la terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, tu vas prier. Alors que notre thème c'est que tout tourne à mon avantage. Et nous sommes dans le mois du renouvellement, le mois du nouveau départ, le mois de la restitution. Alors tu vas dire avec moi, mon Père, alors que je me tiens à la porte de minuit, alors que Seigneur je me tiens dans ta présence, que tout tourne à mon avantage au nom de Jésus. Seigneur, dans cette situation, tourne tout à mon avantage. Dans ce problème, tourne tout à mon avantage. Dans ce combat, que tout tourne à mon avantage au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, toi-même, tu connais ta situation. Tu connais la situation que Dieu doit décompter. Tu connais la situation dans laquelle tu es en train, tu te trouves. Tu connais la situation pour laquelle tu cherches un exaucement. Commence à voir cette situation dans ton esprit et dis, Seigneur, mon Père, cette nuit, que tout tourne à mon avantage. Que tout tourne à mon avantage. De la même manière que tu tournais les choses à l'avantage des enfants d'Israël. De la même manière que tu tournais les combats à l'avantage des enfants d'Israël. Que tout tourne à mon avantage dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Oh mon Père, alors que je suis dans ta présence, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Commence à tourner toutes choses. Que tout tourne à mon avantage, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans la situation que je traverse.
Que tout tourne à mon avantage, dans le nom puissant de Jésus, dans cette montagne qui se dresse devant moi. Que tout tourne à mon avantage, en ce mois du renouvellement. Que tout tourne à mon avantage, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, commence à tourner toutes choses à mon avantage. Commence à tourner les situations à mon avantage, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, toi qui es l'Éternel qui ramène le renouvellement. Que tout tourne à mon avantage, dans le nom puissant de Jésus. Tourne toutes choses à mon avantage. Tourne toutes choses à mon avantage, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Là où les complots ont été faits contre moi, tourne toutes choses à mon avantage, dans le nom puissant de Jésus. Change toutes choses à mon avantage, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tout tourne à mon avantage, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tout tourne à mon avantage, dans le nom de Jésus, que tout tourne à mon avantage, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de dire que le Seigneur puisse tourner à ton avantage cette situation, qu'elle tourne à ton avantage, ce qui paraît être comme un échec, que cela tourne à ton avantage, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de changer la situation à ton avantage, dans le nom puissant de Jésus. Il est capable de changer. C'est pour cela que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu tourne tout à l'avantage de ses enfants. Qu'en ce mois, que tout tourne à ton avantage. Que la pauvreté se change maintenant en richesse. Que la maladie se change en guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, que là où il y a les problèmes, là où il y a la tristesse, que la tristesse se change en joie. Dans le nom de Jésus. Que tout tourne à ton avantage. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout tourne à ton avantage. Dans le nom puissant de Jésus. Que les situations compliquées se changent maintenant en solution, dans le nom de Jésus. Que les situations compliquées se changent maintenant en solution, en témoignage, dans le nom de Jésus. Que les combats qui se lèvent contre toi se changent maintenant en victoire, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Merci Seigneur, car tu es fidèle, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu pries, tu dois avoir la foi. Et la foi que le Seigneur a fait. Et la foi que pendant que tu es en train de prier, les choses sont en train de changer à ce moment-là. C'est en ce moment-là que les choses sont en train de changer. Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe 8 au verset 10, la Bible dit ceci, « Formez des projets et ils seront anéantis. » Formez des projets et ils seront anéantis. Quelle que soit la personne qui forme un projet contre toi, quel que soit l'esprit qui forme un projet contre toi, la Bible te dit, la parole de Dieu te dit, formez des projets et ils seront anéantis. Alors tu vas prier avec l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Tu vas dire avec moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout projet qui est formé contre moi est anéanti au nom de Jésus. Tout projet qui est formé contre moi, tout projet qui est formé contre ma maison, tout projet qui est formé contre ma santé est anéanti par le feu au nom puissant de Jésus. Commence à anéantir cela dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prendre autorité au nom de Jésus. Que tout projet qui est formé contre moi, que ça soit dans les eaux, que ça soit dans les forêts, que ça soit dans les montagnes, que ça soit dans les cavernes, quelle que soit la source de l'endroit, que cela soit anéanti maintenant au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens dans la prière à la porte de minuit, je déclare et décrète cette nuit que tout projet formé contre moi, que tout projet formé contre ma vie, que tout projet formé contre mon avancement, contre ma destinée est anéanti par le feu au nom puissant de Jésus. Commence à anéantir cela. Tu es en train d'anéantir cela dans le nom puissant de Jésus. Tout projet formé contre moi et ma maison est anéanti au nom puissant de Jésus. Tout projet qui est formé contre mes projets, tout projet qui est formé contre mon avancement, tout projet formé contre ma richesse, tout projet formé contre ma prospérité, tout projet formé contre ma destinée est anéanti maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prendre autorité parce que tu as reçu le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur a dit, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu es en train de prendre autorité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que tout projet formé contre moi, contre ma maison, contre mes projets, contre ma famille, contre tout ce qui concerne ma vie, contre tout ce qui concerne mon nom, soit maintenant anéanti au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il est encore écrit, toujours dans Ésaïe 8 au verset 10, « Donnez des ordres et ils seront sans effet. » Donnez des ordres et ils seront sans effet. En d'autres termes, lorsque dans le monde des ténèbres, on va déclarer des choses contre toi, on va en donner des ordres, que tu fasses un accident, que tu sois malade, que le mal t'arrive, le Seigneur est en train de dire que cela sera sans effet. Alors toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, par l'autorité que le Seigneur Jésus t'a donnée, tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, je déclare et décrète que tous les ordres qui sont donnés contre moi et ma maison, oh, seront sans effet au nom de Jésus. Tous les ordres donnés contre moi et ma maison seront sans effet au nom de Jésus. Tous les ordres donnés contre ma famille seront sans effet au nom de Jésus. Je suis en train de dire que ces ordres sont sans effet dans le nom puissant de Jésus. Tout ordre qui est donné contre ma vie est sans effet au nom puissant de Jésus. Alors que je me lève à la porte de minuit, alors que je me tiens à la porte de la nuit, je déclare et décrète que tout ordre qui est donné contre moi est sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute parole maléfique qui est lancée contre ma vie est sans effet. Au nom puissant de Jésus. Toute parole des ténèbres, toute parole d'envoûtement qui est lancée contre moi est sans effet. Car tout tourne à mon avantage. Au nom puissant de Jésus. Toute parole des ténèbres qui est lancée contre ma santé est sans effet au nom de Jésus. Tu es en train de déclarer que toute parole lancée contre toi est sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Toute parole lancée contre ta vie est sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Toute parole qui est lancée contre ta maison est sans effet au nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, toute parole lancée contre ta vie est sans effet au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare et décrète que toute parole lancée contre moi, toute parole d'envoûtement, toute parole de malédiction qui est prononcée contre ma vie, contre mes enfants, contre ma famille est sans effet au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute parole d'échec qui est lancée contre moi est sans effet au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire avec moi. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'heure est venue. Je déclare que l'heure est venue pour moi, pour que tout tourne à mon avantage au nom de Jésus. Je déclare que l'heure est venue pour moi, pour que tout tourne à mon avantage au nom de Jésus. Commence à déclarer. Tu vas commencer à dire, si j'avais l'échec, je déclare maintenant la victoire dans ma vie au nom de Jésus. L'échec est renversé. Les échecs sont renversés. Oh, si j'étais pauvre, la pauvreté est renversée maintenant au nom de Jésus. Je déclare et décrète que l'heure est venue pour moi, que tout tourne à mon avantage au nom de Jésus. Alors que je me tiens dans cette prière, je déclare que l'heure est venue pour ma maison, que tout tourne à notre avantage au nom de Jésus. L'heure est venue pour ma famille, que tout tourne à notre avantage au nom de Jésus. Si j'étais échec, maintenant l'échec est renversé au nom de Jésus. Si j'avais la stagnation, maintenant la stagnation est renversée au nom de Jésus. S'il y avait la maladie, maintenant la maladie est renversée au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que l'heure est venue. L'heure est venue pour ma maison. L'heure est venue pour ma destinée. Que tout tourne à mon avantage au nom de Jésus. L'heure est venue pour ma famille. Que tout tourne à notre avantage au nom de Jésus. L'heure est venue pour mes enfants. Que tout tourne à leur avantage.
avantage au nom de Jésus. Quelqu'un en train de dire que l'heure est venue. L'heure est venue maintenant. L'heure est venue pour toi que tout tourne à ton avantage. Au nom puissant de Jésus. Le bon moment, c'est maintenant. Le temps, et c'est maintenant. Ce moment de la victoire, c'est maintenant. L'heure est venue que tout tourne à ton avantage. Au nom puissant de Jésus. L'heure est venue que tout tourne à ton avantage. Au nom de Jésus-Christ. S'il y avait la honte sur toi, oh, déclare que la honte maintenant se change en gloire dans le nom puissant de Jésus. L'humiliation se change en gloire dans le nom puissant de Jésus. L'humiliation se change en gloire au nom de Jésus. L'heure est venue où toute chose change maintenant à mon avantage au nom de Jésus. L'heure est arrivée, oh, que tout tourne à mon avantage, que tout tourne à l'avantage de mon foyer, que tout tourne à l'avantage de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un en train de le dire avec foi. Quelqu'un en train de le dire avec détermination. Quelqu'un en train de le dire que c'est le moment. Quelqu'un en train de le dire que l'heure est déjà arrivée. L'heure maintenant est arrivée. L'heure de l'avantage est arrivée. L'heure de la victoire est arrivée. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout tourne à ton avantage, que tout tourne à ton avantage, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas encore dire avec moi, au nom puissant de Jésus. Mon Père, alors que je me tiens dans ta présence, que l'ange de la bénédiction me localise maintenant au nom de Jésus. Alors que je suis dans ta présence cette nuit, que l'ange de la bénédiction, l'ange de la guérison, l'ange de la bonne nouvelle me localise maintenant au nom de Jésus. Commence à dire que l'ange de la guérison te localise, l'ange de la bénédiction, l'ange de la prospérité, que l'ange qui ramène des bonnes nouvelles te localise dans le nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de prier, que l'ange de Dieu te localise, localise ton nom, localise ta maison, localise ton adresse dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier au nom puissant de Jésus, ô Seigneur, pendant que je te cherche, pendant que je suis dans ta présence, que l'ange de la bénédiction me localise au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que l'ange de la guérison me localise, que l'ange de la guérison localise une personne maintenant, au nom puissant de Jésus, pendant que tu es en train de prier, que l'ange des bonnes nouvelles te localise au nom de Jésus, que l'ange qui ramène la bonne nouvelle te localise cette nuit dans le nom puissant de Jésus, et que la bénédiction rentre dans ta maison, et que l'avantage rentre dans ta maison, que l'ange qui ramène l'avantage, l'ange qui tourne toutes choses à ton avantage, puisse arriver au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'ange qui ramène la supériorité arrive dans ta maison, te localise cette nuit dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de déclarer dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es en train de déclarer cela, tu es en train de déclarer cela au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire avec moi, ô très cher Saint-Esprit, en cette nuit, que tout tourne à mon avantage. Change la pauvreté en richesse. Change la maladie en guérison. Change l'humiliation en gloire, dans le nom de Jésus. Change la honte en élévation, dans le nom de Jésus. Dis au Saint-Esprit de changer. Dis au Saint-Esprit de changer. Change le chômage en travail, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, change la clandestinité, oh, en régularisation, au nom puissant de Jésus. Que tout tourne à mon avantage. Saint-Esprit de Dieu, que tout tourne à mon avantage. Commence à changer les choses. Dis au Saint-Esprit de changer. Que l'impossible se change en possibilité. Alléluia. Que l'impossible se change en possibilité. Que ce qui était mort se change maintenant en résurrection. Que tout ce qui était brisé se change maintenant en reconstruction. Que tout ce qui était volé se change maintenant en restitution. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que tout tourne à mon avantage. Que tout tourne à mon avantage. Dans le nom puissant de Jésus. Que mes larmes de tristesse deviennent des larmes de joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Que là où il y avait la cendre, que maintenant l'huile de joie arrive, dans le nom puissant de Jésus. Là où il y avait des habits sales, que maintenant les habits de fête arrivent, dans le nom puissant de Jésus. Change toute chose à mon avantage, que tout tourne à mon avantage, dans le nom puissant de Jésus. Que tout tourne à mon avantage, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier Dieu, tu es en train de prier, dire au Saint-Esprit, que tout tourne à mon avantage, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu es en train de déclarer, tu es en train de déclarer, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, 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 au nom de Jésus. Bien-aimé, alors que nous sommes au mois d'août, tu vas inscrire ton nom, tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, j'inscris mon nom sur la liste des bénédictions du mois d'août au nom de Jésus. J'inscris mon nom, le nom de mes enfants, le nom de mon époux, le nom de ma maison sur la liste des bénédictions du mois d'août au nom puissant de Jésus. Commence à inscrire ton nom. Tu es en train d'inscrire ton nom. J'inscris mon nom. J'écris mon nom sur la liste des bénédictions du mois d'août. Sur la liste des bénédictions liées au mois d'août au nom puissant de Jésus. Je viens inscrire le nom de ma maison. Je viens inscrire le nom de mes enfants sur la liste des bénédictions liées au mois d'août au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est une prière prophétique. Tu es en train de dire que tu inscris ton nom. Tu inscris ton nom sur la liste des bénédictions liées au mois d'août. Sur la liste des bénédictions du mois d'août. Tu es en train de rajouter ton nom, d'inscrire ton nom sur la liste de ceux qui seront bénis en ce mois d'août. Au nom puissant de Jésus. Et pendant que tu es en train de le faire, ton nom rentre maintenant dans la liste de ceux qui seront bénis en ce mois d'août. Au nom puissant de Jésus. Si ton nom n'était pas dessus, tu es en train d'inscrire ton nom par la foi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et décrète cette nuit que j'inscris mon nom sur la liste des bénédictions liées au mois d'août. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parmi ceux qui seront bénis en ce mois, mon nom figure sur la liste dans le nom de Jésus. Que le nom de mes enfants figure, que le nom de ma maison figure dans le nom puissant de Jésus. Que l'adresse de ma maison figure au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur très fort, acclame le Seigneur, alléluia, acclame le Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Seigneur, alléluia. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu une prière très simple, tu vas dire tout simplement au Seigneur, je veux que ma situation change. Dis Seigneur, en ce mois, je veux que ma situation change. Toi qui as changé la situation de Bartimée, toi qui as changé la situation de la femme à la perte de sang, toi qui as changé la situation de Lazare, Seigneur, je veux que ma situation change. Toi qui as changé la situation de ce serviteur, du serviteur du centenier, que ma situation change au nom puissant de Jésus. Dis tout simplement au Seigneur, alors que je me tiens dans ta présence, que ma situation change. Change ma situation au nom puissant de Jésus. Change ma situation au nom de Jésus. Que toute situation difficile dans ma vie devienne facile au nom de Jésus. Que tout tourne à mon avantage dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de dire à Dieu, change ma situation au nom puissant de Jésus. Change ma situation au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens dans ta présence, change ma situation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, alors que je me tiens dans ta présence, change la situation de ma santé, change la situation de ma vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur change ta situation, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, car il concourt toutes choses à ton avantage, toutes choses concourent à ton bien, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu es en train de déclarer dans le nom puissant de Jésus que tout tourne à ton avantage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, car c'est toi qui changes la situation de tes enfants. Merci Seigneur,
car c'est toi qui changes la situation de quelqu'un. Merci Seigneur, car c'est toi qui enlèves les soustractions pour ramener des additions dans la vie d'une personne, dans le nom puissant de Jésus. 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 Que tout tourne à ton avantage au nom puissant de Jésus. On va faire cette dernière prière qu'on a déjà fait hier, je pense, pour ceux qui n'ont pas oublié. Tu vas dire avec moi, ô Seigneur, ô, je me tiens devant ta croix. Je viens devant ta croix. Enlève les soustractions dans ma vie. Délivre-moi des soustractions. Délivre-moi des pertes. Et commence à additionner chaque chose dans ma vie au nom de Jésus. Demande au Seigneur de te délivrer des soustractions. Les soustractions, c'est lorsqu'on perd. On ne fait que perdre. On ne fait que perdre. On ne fait que nous enlever des choses. Les soustractions, c'est la perte. Mais que ta vie ne soit plus une vie de soustraction, mais que ta vie, parce que tu es devant la croix c'est un plus, que ta vie devienne une vie d'addition, que le Seigneur puisse additionner toutes choses, que le Seigneur additionne chaque chose dans ta vie, que le Seigneur multiplie chaque chose dans ta vie, que les choses commencent à s'additionner, commencent à se multiplier, que la grâce s'additionne, que la gloire s'additionne, que la faveur s'additionne, que la grâce se multiplie dans le nom puissant de Jésus et que tu ne puisses plus être dans les soustractions au nom de Jésus. Tu es en train de prier. Ô Seigneur, oh je viens devant ta croix. Seigneur, je viens me prosterner devant ta croix. Délivre-moi des soustractions. Enlève les soustractions dans ma vie. Enlève les pertes dans ma vie. Enlève, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est perte, tout ce qui est soustraction, tout ce que je perds. Enlève cet esprit dans le nom puissant de Jésus. Enlève le vol dans ma vie au nom puissant de Jésus. Enlève le dévoreur dans ma vie et commence à additionner chaque chose. Commence à additionner dans ma vie que je commence à vivre des additions, les additions de bénédiction, les additions de guérison, les additions de miracles, les additions de grâce, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que ta vie ne sera plus une vie de soustraction. Au nom puissant de Jésus, je déclare et décrète que ta vie ne sera plus une vie de soustraction. Tu ne vas plus continuer à perdre. Tu ne vas plus perdre, mais tu vas commencer à gagner. Tu vas commencer à ajouter. Tu vas commencer à multiplier. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que la grâce s'additionne dans ta vie. Je déclare que la faveur s'additionne dans ta vie. Car Dieu dit dans sa parole, il t'emmènera de gloire en gloire. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Oui, que tu puisses rentrer dans la saison des additions. Maintenant, je déclare que tu rentres dans la saison des additions. Tes pieds entrent dans la saison des additions. Tes pieds entrent dans la saison des multiplications. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les soustractions ne sont pas pour toi. La soustraction n'est pas pour toi. La perte n'est pas pour toi. Mais maintenant, tu vas rentrer dans l'addition. Au nom de Jésus. Que ta guérison soit additionnée. Que la gloire soit additionnée dans ta vie. Que la faveur soit additionnée dans ta vie. Que la joie soit additionnée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la bénédiction soit multipliée dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de déclarer, tout esprit de soustraction, tout esprit de perte, tout esprit qui occasionnait des pertes dans ta vie est en train de tomber au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout démon des ténèbres, tout esprit de la sorcellerie qui était mis à côté de toi pour occasionner des pertes dans ta vie est maintenant banni, est maintenant anéanti, est maintenant brisé. À partir de ce soir, l'ange de l'Éternel commence à ramener des multiplications, commence à ramener des additions dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dieu va te bénir et fera de toi une source de bénédiction. Dieu va te guérir et fera de toi une source de guérison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, commence à t'additionner, commence à t'additionner, commence à te multiplier, commence à t'étendre, rentre dans la vie de Percé, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, commence à additionner, que Dieu t'additionne, que tout tourne à ton avantage, dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui était moins dans ta vie commence à devenir addition, commence à devenir multiplication, que tout ce qui te restait, tout ce qui était comme une poignée de farine et une toute petite poignée d'huile, que cela puisse se multiplier dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que le miracle de la multiplication entre dans ta vie, même dans le peu qui te reste, dans le peu qui te reste, que le miracle commence à rentrer dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel commence à additionner dans ta vie, que l'Éternel commence à multiplier dans ta vie les bonnes choses, les bonnes rencontres, les guérisons, les choses que tu n'aurais jamais soupçonnées dans ta vie, que tu commences à les vivre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel te visite en cette nuit, que tout tourne à ton avantage,
à l'avantage de tes enfants, à l'avantage de ta maison, à l'avantage de tes projets, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et que ce mois soit le mois du renouvellement, que ce mois soit le mois du nouveau départ, que ce mois soit le mois de la restitution, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te fasse rire, que l'Éternel te fasse danser, que l'Éternel te fasse témoigner, que tu témoignes avec joie, que tu viennes témoigner à la TPS, que tu viennes témoigner à l'église, que tu témoignes avec joie, et que tu commences à sauter, que l'Éternel te fasse sauter parce qu'il tourne tout à ton avantage, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que cela soit ton partage, que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur parce que tu es glorieux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, dis merci au Seigneur pour l'exaucement. Dis Seigneur, Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Seigneur, merci parce que tu as écouté ma prière. Merci parce que tu m'as exaucé cette nuit. Merci pour l'exaucement. Je me saisis de cet exaucement. Je prends cet exaucement au nom de Jésus. Tu es en train de dire merci à Dieu. Merci Seigneur, car tu m'as exaucé. Merci Seigneur, car tu m'as parlé. Merci Seigneur, car tu m'as fait du bien. Merci Seigneur, car tu as exaucé tes enfants. Père de gloire, je te bénis encore. Merci pour ce moment merveilleux de prière. Merci de nous avoir fortifiés. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit, pour les anges. Merci pour le ciel ouvert cette nuit. Seigneur, je te recommande chaque personne entre tes mains, ô Dieu, et que Seigneur, ta main de faveur, ta main de bénédiction, tes regards de miséricorde et de compassion se tournent encore vers chacun d'eux. Seigneur, cette nuit entre tes mains, préserve, garde, protège, ô Dieu, et fais du bien encore à ton peuple. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, afin que nous puissions être là tout à l'heure pour devancer l'aurore, afin de te célébrer et te louer encore avec joie, avec zèle, avec un cœur bien disposé, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, soyez bénis puissamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Et si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière Semeur, s'il vous plaît, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications afin de ne pas rater les prochains programmes de la tour de prière Semeur. Et bien évidemment, aimez la vidéo car vous êtes au bon endroit et vous êtes la bonne personne. Aimez la vidéo pour être un sycomore. Et nous tous, comme d'habitude, comme à notre coutume, nous aimons la vidéo avant de nous déplacer, avant de fermer la connexion. Tu aimes la vidéo, tu partages à un ami pour que nous puissions être dans l'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés. Je vous donne rendez-vous donc tout à l'heure pour Devancer l'aurore. Nous serons là et le pasteur sera là, c'est lui qui va diriger Devancer l'aurore tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais souhaiter ici joyeux anniversaire. C'était aussi le premier du frère Didier Lobota. Didier Lobota, joyeux anniversaire à toi. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie, qu'il t'emmène encore dans les hauteurs, qu'il te donne encore une bonne santé, une longue vie. Que le Seigneur te préserve, qu'il te garde et qu'il te fasse du bien et qu'il te fasse voir sa gloire. Joyeux anniversaire Didier, joyeux anniversaire Didier. Que mon Dieu te bénisse. Soyez tous bénis et merci aussi pour les vœux que vous avez envoyés à Mélodie. Elle est très contente. Merci beaucoup. Soyez bénis, vous tous qui avez pensé à Mélodie pour son anniversaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vous dis donc à très bientôt pour Devancer l'aurore. Et je vous souhaite une excellente nuit dans la présence du Seigneur. Ciao, 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 ciao. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. À la gloire de Dieu le Père. Au nom de Christ. Au nom de
Les condamnations sont annulées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, nous sommes réellement libres. Ah. Oh, ya, ya, ya. Au nom de Jésus. Bien-aimé, réjouis-toi car tu es libre en Christ. Réjouis-toi car tu as été sauvé, racheté. Alléluia, alléluia. Qu'un racheté dise, je suis libre, délivré, restauré, changé, aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.